vous en avez marre de la musique du Monster Hunter, moi aussi. Donc on va essayer de sortir le plus vite possible de ce trou à rats. On va combattre ce monsieur là. Bon, oh, c'est un sauvage, hein, j'y peux rien. Il y a quoi comme sauvage dans le Monster Hunter? Il y a des Kalinos. Il y a je sais, il y a Miaous. Il y a Piafabek, mais il n'y a pas de Pokémon feu, ni de Pokémon eau, pardon, ni de Pokémon électrique, donc rien de capturable. Donc à tomber sur Paras au début du dernier épisode, à la fin, pardon, de l'épisode précédent, ça changeait pas grand chose puisqu'il n'y avait aucun Pokémon capturable pour mon duotype de toute manière. Ok, Sabelette, on va faire choc mental évidemment. Je suis niveau 19 avec Lagados, j'ai combattu, je pense, tous les dresseurs qui étaient sur mon passage auparavant. J'ai pas forcément combattu avant. Oh, Osley. Ce qui explique pourquoi mon Flagada c'est de niveau si élevé. Mais moi j'aimerais avoir un nouveau Pokémon, parce que si j'ai qu'un seul Pokémon, forcément j'en ai un qui est niveau bien trop élevé, et c'est chiant. Et du coup je suis en train de casser la gueule à tout le monde avec mon bro. Bon. C'est vrai que ça va être compliqué contre le Staros, mais il va monter de niveau d'ici là. Calcium, c'est pas possible, je gagne que de ces objets là. Alors la CT pistolet à eau a été remplacée par détritus. Mais regardez, si je veux la prendre à mon Flagados, il peut la prendre, ce qui est pas normal. Enfin, je veux dire, je sais pas, j'ai dû faire une connerie sur la randomisation des attaques qu'on peut apprendre. Du coup, je pense que je vais apprendre des attaques aux Pokémon que s'ils peuvent vraiment la prendre. Je pense, c'est plus juste. Je pense qu'on sera tous d'accord. En tout cas, le calcium, je vais l'utiliser. C'est vrai que je ferais peut-être mieux de les garder pour les vendre, ces objets-là. Ouais. Parce que 4900 Poké-Dollars pour un objet comme ça, franchement, ça valait peut-être le coup. Je pense que les prochains, je vais les garder. Ouais. J'aurais dû faire ça. Et Ferro-Singe, ok. Là, lui, je savais pas qu'il était là. Le Ferro-Singe. Niveau 7, évidemment, on va en faire qu'une bouchée. Alors, par contre, il y a un truc qui me fait chier, c'est que je risque de tuer les Pokémon que je veux capturer. Et ça, je me demande si c'est pas ça le plus gros problème. Enfin, quoique. Non, c'est des petits Pokémon pour l'instant, donc pas. Donc ils ont pas des catch rates horribles. T'as de mort. Putain, c'est hyper varié en fait. Ah, attendez, peut-être que ça change en fonction des étages. Entre guillemets, des étages d'une même zone. Ça, c'est possible, ça. Ceci expliquerait cela. Mais de toute manière, quand je peux pas savoir les Pokémon qu'il y a. Ah, Abo. Quand je peux pas savoir les Pokémon qui sont présents, peu importe l'étage, enfin. Je peux pas anticiper ça de toute manière. Bon, on va fuir. Puis en plus, si je combats, enfin, si je le tue, je vais prendre de l'expérience et je vais trop monter en niveau. Ah, par contre, j'ai. Non, il y avait Carapuce. Carapuce, le meilleur Pokémon pour faire l'aventure. Non, rouge, bleu, jaune. Le meilleur. Ah, pas mieux. Alors, je te laisse en vie, hein. Je peux pas. Non, je peux pas faire ça. Il y avait Carapuce, putain. Non. Je m'insurge. Oh, putain, non. Je suis dégoûté, là. Il y avait Carapuce et c'est pas lui que j'ai eu. Putain. J'ai tellement besoin d'un deuxième Pokémon. Ah merde quoi. Fais chier. Petit Carapuce là. Il aurait tellement carry. Il aurait carry le Nuzlocke. Flagada c'est bien, mais Carapuce c'est ouf. Ah, oh, c'est trop dommage. Alors je pensais que dans une CT j'ai récupéré dans Slam également. Par contre je sais pas à quelle CT ça correspond en vrai. Je sais pas quelle CT ça a remplacé. On ne sait pas. Je l'ignore. Putain, Carapuce, quoi. Tu peux pas faire mieux que Carapuce. Eau électrique, qu'est-ce que je peux espérer? Électeur, il n'y a pas les légendaires, donc non. Low class, oui. Il y a low class. Ouais, low class. Carapuce. Qu'est-ce qui est vraiment très très fort? Tentacruel, c'est vachement bien aussi. Après, c'est avec le type électrique. Ouais, non. On craint le sol avec les deux, donc ça, c'est moyen. Léviator, évidemment. Magikarp Léviator. Ça, c'est parfait.
Non, j'ai rien qui me vient en tête. On va faire coup de boule à ce petit art. Quoique non, il a pas une excellence spéciale. J'aurais dû faire choc mental. Ah bon, tu en as coup, comme ça. On se pose pas trop la question. Alors je précise que je joue en mode défini. Hein. Bon, là j'ai Castle Pokémon, donc forcément vous vous en rendez pas compte. Mais lorsque je mets KO un Pokémon... Ah non, je suis confus. Lorsque je mets KO un Pokémon adverse, eh bien je ne peux pas changer de Pokémon. Je ne peux pas avoir le choix du Pokémon que j'envoie. L'adversaire envoie directement son autre Pokémon. En Nuzlocke, c'est... En Nuzlocke, on n'a pas trop le choix. Oh, je suis plus confus. Bon, il est pas de type acier, Magnéti, en 1G, Magnéton non plus, ça n'existait pas. Donc tant mieux, parce que sinon Magnéton c'était une horreur pour Flagados. En tout cas tant que j'ai pas une attaque, haut. Parce que j'ai toujours pas mine de rien. Bah je pourrais... Ah attendez, le fossile. Le moment où on récupère le Pokémon c'est à Cramoisil. Donc il faut pas rencontrer de Pokémon à Cramoisil pour avoir le fossile. Enfin, pour pouvoir jouer le fossile, entre guillemets. Est-ce que je préfère le Nautil ou le Dôme? Oh non, je préfère le Lordaelix. Hein. Non, je prends le fossile. Je pense que Monistar est plus intéressant que Kabutops. Si jamais je veux avoir Kabutops, bah, j'ai juste à faire en sorte de ne pas rencontrer de Pokémon à Cramoisil et faire revivre, entre guillemets, le fossile. Et dans ce cas-là, j'aurai le droit de le jouer, hein, théoriquement. Puisque c'est le premier Pokémon que je rencontre sur la zone, dans la zone. Donc, théoriquement... Je devrais pouvoir le faire. Je crois qu'il y a des objets par là, non? Un génie! Y a rien d'affiché, mon gars! Eh ouais. Trop de savoir. Y a quelqu'un qui apprend Ultima Wish, Ultima Point là, non? C'est de rouge feu vert feuille alors, ok. C'était 44. Ou alors c'est peut-être tout simplement la CT Ultima Point. Je sais plus. Un truc comme ça. Entrave. J'ai déjà. C'est lenté mais j'ai déjà. En tout cas c'est une très très bonne attaque entrave. Donc, enfin quoique en 1G c'était pas si fort que ça. Parce que ça bloquait une attaque random chez l'adversaire. Oh mais attendez, nouvelle zone. Nouvelle zone. Oh électrique. Oh électrique. Ah, c'est pas possible ça. Je n'ai pas droit au bonheur. Putain, c'est dingue. Sérieusement quoi, oh, c'est abusé. Toujours pas de haut. Attendez, le type haut, c'est le type le plus commun du Pokédex. Toute génération confondue je pense même. Ah peut-être pas en 5G quoi. Qu'est-ce qu'on va acheter? J'ai 5000 Pokédollars. Ah ouais. Ah oui. De l'oseille. Ouais, 5 anti-para, réveil, non, ça se fait tout seul. Anti-brûle, on va en acheter 2 parce que ça arrive très rarement quand même. On va en acheter que 2 du coup. Antidote, ça, on va en acheter 10 parce que le poison est beaucoup trop chiant et les Pokémon peuvent mourir du poison en 1G, faut pas l'oublier. Potion, on va en acheter 8. Non, on va en acheter 10, tiens. Ah non, j'ai pas assez d'argent. Non, je suis pauvre. Attendez. Pokéball, j'en ai combien? 15, on va en racheter 5. Et avec ce qui reste, on va acheter que des potions. Voilà. 5 potions. Ok. Petites emplettes. On va se soigner quand même. Alors normalement, là c'était tunnel, elle est pas randomisée. Là c'était tunnel que nous donne le Sbire Rocket. Puisque c'est censé être une CT de terrain, entre guillemets. Enfin, ils appellent pas ça CS, ils appellent ça CT de terrain. Dans le logiciel pour randomiser. Donc je pense pas que tunnel soit randomisé. Logiquement ça n'est pas le cas. Alors je vais pas l'arrêter tout de suite hein, évidemment. Je vais essayer de capturer un Pokémon sur la route qui se trouve au nord. On va essayer. Après il y a quand même le pont pépite. Ah oui non merde. C'est vrai. Bah de toute façon j'ai pas le choix, j'ai qu'un seul Pokémon. Il fallait bien que j'y aille un moment. Ok. Ah oh, putain, ce combat là il va être trop dur. Oh. Il a quoi? Il a 4 Pokémon déjà à ce moment là je crois. Oh putain, il va être dur sûr. Oh putain de merde. Ah oui, il en a 4. Ok, Ramolos, ça va. Il y a une bonne défense. Mieux vaut faire Paraspord avant de faire coup de boule, je pense. Tant qu'il me rend pas confus, ça va. Ok, ça va. On lui fait pas très mal, mais...
Au moins là, il a peu de chance d'attaquer. Ah merde, sur quoi? Pas sur coup de boule. Oh non! Ah peu. D'accord, je ne suis déjà plus sous entrave. Parax mon gars, c'est bon ça. Mais attends, entrave va durer qu'un seul tour, c'est quoi ce bordel? Ça durait pas 5 tours à l'image? Il me semblait. On va faire parasport. Ah oui, parasport, ça me semble tellement intéressant. Allez, Parax! J'ai pas fait le bruit cheval. Boule armure, Osef. Jusque là ça va hein. Gros yeux c'est chiant ça. J'ai encore rien loupé hein. Je n'ai pas loupé une seule attaque alors qu'en 1G je vous rappelle toutes les attaques ont une chance sur 256 de louper. Sauf Météore bien sûr, qui était je crois la seule attaque à l'époque avec enfin qui était certaine de réussir, enfin d'atteindre sa cible. Sans tenir compte des modifications d'esquive et de précision. Pourquoi j'ai pas... Oh merde. Pourquoi j'ai pas fait parasport avant? Je suis un gogol. Bon ça va, il fait que dalle. Ouais, je le tuerai pas direct. C'est tout ce que t'as? C'est tout ce que t'as? Ah ouais. Ah oh bah d'accord. Petit Kabuto là. Tiens, on va le finir à coup de boule. Ah merde, on a pas fini, merde. C'était pas très intelligent de ma part. On le finit là quand même. Voilà. Bon. C'était pas très malin de ma part. Ça, je dois bien l'avouer. Ça c'est sûr, mais bon. Bon bah écoutez, on l'a 1v4. Il a rien compris. Bon, il t'a montré ses Pokémon rares, mais... Bon remarque, j'allais dire, t'as pas de Pokémon rares, si. Il a un Kabutops quand même. Je veux dire, tout le monde n'a pas un Kabutops au bout de 5 minutes de jeu. Je pense pas. Ça fait beaucoup. Ouais. Bon, on va combattre quelques dresseurs du Pompépite. Ah, c'est le Pompépite. Et le, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier dresseur qui dit I did my best, I have no regrets. Et c'est le. C'est le. Comment dire? Le slogan. Du c'est le slogan du comment ça s'appelle de Nugget Bridge, la plus grosse communauté VGC mondiale. Ouais, bye bye. J'allais l'appeler Apsico. Je sais pas, c'est parce que j'ai vu Choc Mental, j'ai pensé au type psy, je me suis dit psycho, je sais pas, j'ai voulu l'appeler Apsico. Ça passait bien, je crois, me semble. Je faisais cette petite remarque sur Nugget Bridge, évidemment, parce que Nugget Bridge, c'est le nom anglais du pont Pépite, bien évidemment. Pépite en anglais, c'est Nugget. Ah oui. Et vous connaissez l'origine du mot Nugget de poulet, tout ça. Voilà. Un peu de culture, fais du bien. Enfin, tu parles de culture. La culture des Nuggets. Bon, là, on est en spam choc mental, là. Hein. Je sais bien qu'il n'y a pas de Pokémon ténèbres en 1G, mais... Enfin, voilà, quoi. Faudrait m'envoyer des Pokémon Psy, des petits soporifiques par exemple. Par exemple. C'est pas gagné, ouais, enfin pour l'instant ça se passe bien. Je voudrais pas m'avancer mais voilà. 3 Pokémon, ok. Ah bah vachement original pour un dresseur gamin de sortir un Rattata. Alors là vraiment, on est sur de l'originalité pure et dure. Franchement là, quand même, ils ont tous des piaf à bec. Putain, pourquoi? Je ne comprends pas. Ils ont un femelle. Ah, ça on l'a pas vu, voilà. Ça change. Enfin. Oh, je me soigne même pas, j'ai pas besoin. C'est fou. Au début sur les chapeaux de roue, hein. Combien? Il y en a 2. Ok. Envoie-moi un rocardage, pas un rocool. Coup critique, comme si j'en avais besoin.
Ouais, je faisais peut-être pas le Kevin Akron. Et encore. En fait, si, j'en avais besoin tout à l'heure. Coconut, il était niveau 15, celui d'avant. Donc, il y a quand même des chances que son spécial soit inférieur et que du coup, mon choc mental est suffisant à faire le chaos. Et PV également. J'ai appuyé sur A, non? J'ai pas appuyé sur A? Comment? Pourquoi il s'est retourné? What? Pourquoi il s'est retourné lui? C'est quoi ce bordel? What the fuck? Je crois pas avoir appuyé sur A. Pourquoi il s'est retourné? C'est quoi ce bordel? Je perds en vitesse de manière, il y a qu'un seul Pokémon en face et il est déjà plus rapide que moi. Donc ça ne change pas grand chose. Oh non! Oh pas ça! Non! 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 Pas l'hypnose. Ça peut durer 10 tours. Hein. Je n'ai pas de... C'est pas une connerie. Hein. En 1G, ça peut durer 10 tours. Et en plus, il y a un tour. Enfin, il faut... ça prend un tour entier de se réveiller. J'en peux plus. Il m'enlève un PV à chaque fois. Ah non. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et j'ai pas acheté de réveil. Putain, mais qui est le gogol qui a décidé que j'allais pas acheter de réveil? Bah c'est moi. Oh, coup critique de PV mon gars. Mais non, putain. Sérieusement. Ah! Mais non! Mais arrête! J'en ai marre! Pourquoi, putain? Non, putain. Allez! 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 Les Pokémon de dresseur ont des PP infinis en 1G. Je pourrais jamais le PP Wast. Mais ta race! Allez, réveille-toi, Flagalos, je joue de la guitare avec un clavier pour que tu te réveilles. Allez, putain de merde. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Vive moi qui voulais que le format des Nuzlocke soit un peu plus court. On remercie Petit Art pour avoir totalement niqué cette volonté de ma part. Mais ta race. Mais putain. Oui. Allez. Mais tu peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Il oublie jamais hypnose. Il a fait 4 fois. Ça a 60% de précision. Ah! Oui! 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 Oh, il fait pas hypnose! Oui! Oui! Oui, allez, les bleus! Oui! On a vécu Dresseur Junior mal! Oui! On l'a fait! On l'a fait! Oh putain, le bâtard! Pas de regret, j'ai fait de mon mieux! Ouais, bâtard, ouais, t'as réussi 4 fois hypnose sans gravité, gros bâtard! Bon, on va en rester là. Je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode du Pokémon Rouge Nuzlocke Random du type. J'en peux plus, salut tout le monde.